Kiki Media. Aimez, partagez et abonnez-vous. Très chers compatriotes, il vous souviendra que depuis son avènement en janvier 2019, à la suite d'un accord, M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais organisé le symbolique défilé militaire dédié à la commémoration du 30 juin, fête de notre indépendance. C'est bien l'expression du mépris débordant qu'il nourrit contre l'armée nationale. Il l'a par ailleurs déstructuré, désarticulé, tribalisé et affaibli, pour promouvoir sa coterie tribale à qui il réserve promotion à grade et distribue par népotisme exaspéré étoile à certains officiers et généraux de sa proche communauté. C'est une entrave grave aux articles 188 et 189 de notre Constitution. Conscient du danger existentiel que court notre pays, nous ne pouvions rester passifs face à la trahison des ententes légitimes de notre peuple. Il était temps pour nous d'agir en voyant Tshilombo défaire la République, affaisser l'architecture de notre État et brader son intégrité territoriale par l'affaiblissement prémédité de son système de sécurité et de défense. Il est donc urgent d'agir pour mettre fin à ces régimes cancérigènes, obstacles au progrès de notre nation. Il est temps de briser la peur et de l'affronter. Nous devons résister à ces régimes de frappeurs, de voleurs, de détourneurs et de menteurs attitrés qui écrasent notre peuple. M. Tshilombo a trahi la nation. Il a trahi notre constitution. Il a trahi notre démocratie. Il a trahi notre peuple. Cet homme a conclu des accords alambiqués, à l'insu et au préjudice de la nation. C'est le cas du partenariat fumé avec l'armée du Burundi et certains pays de la SADC, ainsi que l'utilisation comme supplétif des forces génocidaires FDLR. Comment comprendre qu'un chef d'État puisse négocier le déploiement des forces étrangères sur son territoire en uniforme des forces armées de la République démocratique du Congo et les préparer à attaquer d'autres pays voisins? Les Congolais ont-ils déjà vu depuis 1960 un de leurs chefs d'État se faire protéger par des mercenaires non autrement identifiés? Lui qui se targue des scores soviétiques imaginaires aux élections bâclées de 2023, aurait-il désormais peur de son propre peuple qui l'a tant plébiscité? Tshilombo est le plus grand commun diviseur et l'agent déstabilisateur de la sous-région des Grands Lacs. Il mène une politique étrangère erratique et belliqueuse qui se démarque dangereusement des principes fondamentaux de notre diplomatie qui veut un Congo, espace géopolitique procurant paix et stabilité panafricaine. Sans vision stratégique ni objectif spécifique, sa diplomatie privilégie de nombreux voyages dispendieux avec sa clique tribale et son obstination maladive a enflammé des conflits dans la région. En cette commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance, notre pays est dans un état d'effondrement et d'inefficacité d'apporter des réponses aux attentes de ses citoyens. Sécurité, nourriture, soins médicaux, éducation, emploi, logement, électricité, salubrité, pouvoir d'achat, tous les indicateurs sont au rouge. La République démocratique du Congo se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice du capital humain 2020. Plus de 25 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire et à la crise d'urgence, dont environ 6 millions en Ituri, au nord et sud Kivu. Le nombre de déplacés internes est estimé à près de 7 millions. En 5 ans, la dette nationale a atteint 10 milliards de dollars, fruit de la corruption du régime, se rapprochant dangereusement du niveau d'avant annulation de 2008. L'inflation est chronique, avec un taux supérieur à 25%. Le taux d'accès à l'électricité est le plus bas du continent, soit moins de 15%.
Nous pourrions continuer cette litanie de constats catastrophiques, de gestion maléfique, sous cette gouvernance erratique et improductive, mais là n'est pas le propos. Entre-temps, à Goma, comme à Beni, Lubero, en Ituri et à Lubumbashi, les Congolais sont tués quotidiennement par dizaines. Oui, ils sont tués, massacrés des fois par la propre garde de Chilombo, alors que lui seul n'a jamais été au courant de rien. L'important pour lui, c'est garantir ses moments de jouissance, des voyages inutiles, des orgies, des célébrations et des loisirs au stade. Ses pouvoirs est patrimonialisé autour d'un chef qui se veut roi du Congo, entouré de sa mère, de ses frères, de ses cousins et de ses amis, sans compter la pseudo-union sacrée, son nouveau clan élargi au partage du gâteau Congo. Désormais, en République démocratique du Congo, ce sont des personnes insignifiantes et insensées qui occupent les devants de la scène au nom d'une écurie mafieuse. Seule cette oligarchie tribalo-mafieuse peut manger, boire, se soigner, se loger et vivre luxueusement au détriment du peuple qui, lui, manque de tout. Nous n'avons qu'une seule solution, le mettre hors d'état de nuire. C'est la demande sociale congolaise aujourd'hui. La lutte engagée doit être efficace, générale et totale. Il est vrai que mener cette lutte à partir des zones non encore libérées vous expose à la prison, l'exil ou à la mort. Prenez le courage pour votre pays. Personne d'autre ne le fera pour vous. Voilà pourquoi nous avons opté pour la résistance révolutionnaire. Nous sommes autant d'engagements et de sacrifices. Prendre notre destin en main. Très chers compatriotes, l'ennemi commun de tous les Congolais, c'est bel et bien M. Chilombo et son union sacrée pour la nation. Nous lançons un vibrant appel à tous nos compatriotes afin de mutualiser nos forces et nos efforts pour barrer la route au funeste projet de monarchisation de la République et à toutes les forfaitures en gestation de la part de Chilombo et sa bande. Aux éléments des forces de défense et de sécurité, déshumanisés et clochardisés par Chilombo, rejoignez la révolution. Elle est constitutionnelle. Rejoignez l'Alliance Fleuve Congo à travers sa force, l'armée révolutionnaire congolaise ARC, à qui je rends hommage, à toutes les forces vives de la nation. L'exemple de nos pères de l'indépendance, à qui nous rendons un vibrant hommage pour leur courage héroïque. Mobilisons-nous pour sauver la nation. Chilombo est affaibli. Il va partir, de gré ou de force, par la volonté populaire. Bravez la peur, résistez, opposez-vous au mal. Vive l'Alliance Fleuve Congo, vive la révolution constitutionnelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ba politicien ya moyibi Baseleki Nikolo ba politicien ya kanyaka Baseleki Nikolo nyoso koyoka Masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Nikolo nyoso koyoka Bayibi ba million Na mboka Miami Cobra Peuple Azali Kolela Baseleki.
immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous.